Avec ma classe de seconde, on a visité le mémorial de la Shoah. C'est là qu'on a rencontré Sarah, une ancienne rescapée de la Shoah. En fait, c'était un moment assez bouleversant. On a tous été terrifiés par ce qu'elle nous racontait, mais on a tous beaucoup appris. Elle nous a parlé de la période d'avant-guerre, donc de la montée de la haine, de toute cette propagande, de l'exclusion, de l'antisémitisme. D'une certaine manière, ça m'a fait penser à tout ce qu'on pouvait vivre aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas comparable, il y a beaucoup de points communs, le racisme, l'antisémitisme, l'exclusion. Je pense que chaque jeune devrait aller au mémorial de la Shoah pour prendre conscience du danger et combattre l'ignorance. Parce que finalement, la haine de l'autre, c'est basé sur l'ignorance. Finalement, après la visite du mémorial de la Shoah, on se rend compte que l'antisémitisme et le racisme, ça n'a pas sa place dans la société.